Bocher, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous vous dédicacez aujourd'hui Saveur Design. Alors, c'est un ouvrage culinaire, un ouvrage artistique dans lequel vous mettez l'accent sur l'aspect esthétique que peuvent avoir les aliments. Quelle importance donnez-vous à l'aspect esthétique d'un plat ou d'un mets? Bonjour. Effectivement, oui, c'est un aspect esthétique au départ, mais le moteur est quand même la cuisine, quoi. Après, j'aime lorsqu'il y a une mise en scène, que la cuisine puisse raconter une histoire. Le point de départ, c'est toujours la cuisine malgré tout. Et juste après, juste derrière, donc, la mise en scène et l'histoire que va raconter le plat. Alors, vous associez le design visuel aux saveurs de l'aliment, pardon. Est-ce que ça représente un défi supérieur, un défi en plus en fait que la cuisine elle-même? Oui, tout à fait, c'est un défi supplémentaire puisqu'on n'est pas forcément habitué à voir ce genre de présentation dans les livres de cuisine. En plus, d'autant plus qu'on a retiré toutes les assiettes, donc on a fait une mise en page, j'espère, originale. Alors, est-ce qu'il y a des aliments qui se prêtent plus à l'esthétisme et d'autres avec lesquels il est beaucoup plus difficile d'allier saveur et esthétisme et de travailler? C'était aussi un petit peu le jeu, c'était d'essayer de trouver des aliments. La viande, ça paraît un petit peu plus compliqué, peut-être à lui donner un côté esthétique un peu différent, quoi, en tout cas. Donc on a essayé justement de forcer le trait. Est-ce que vous pouvez nous donner une de vos spécialités, une des recettes qui est particulièrement belle et qui vous tient à cœur en particulier? J'aime les poissons. Les poissons du livre, il y a le rôti de l'Otte Kéréon que j'aime beaucoup. Et puis la demoiselle de Plougastel, quoi, qui est une belle image de la Bretagne, quoi. Alors comme vous le disiez, c'est un ouvrage qui est à la fois un exercice culinaire, une performance culinaire et puis une performance également de mise en scène du livre, de mise en scène de l'aliment, des images. Comment est-ce que vous l'avez construit ce livre? Ça s'est construit un petit peu au hasard et au fil des réalisations, en fait, quoi. J'aime pas quand les choses sont trop préparées à l'avance, donc en fait je me laissais guider un peu par mon imagination et par mes envies, toujours les envies de produits, de travailler les produits. Je suis avant tout un cuisinier, donc je le revendique. Très bien, merci beaucoup Gérard Bocher. Merci.